Il est 10h ce lundi 9 octobre 2023. Une dizaine d'agents de police un matin à la salle d'exactes de l'université d'Abomey-Calavi, la scène paraît peu ordinaire. Avec à leur tête le commissaire-major de police Souleymane Assouman, les éléments ont répondu présents à l'appel du recteur Félicien Avlessi et de son équipe. Motif, recevoir les mots de félicitations pour leur accompagnement dans le maintien de la sécurité des personnes et des biens sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Je vous remercie infiniment parce que nous avons pris notre mandat avec des problèmes, des difficultés. Mais grâce à vous, vraiment, on a pu maîtriser toutes ces situations. Je vous remercie pour la promptitude, le professionnalisme. Il y a encore quelques mois, l'université était en proie à des actes de banditisme mettant en danger la vie des étudiants et des autres usagers. Tentatives d'enlèvement, violences physiques répétées, scènes de milices privées et occupation illégale des bâtiments inachevés par des dizaines de hors-la-loi sont autant d'actes déjoués et maîtrisés par les éléments en uniforme. Fruit d'une bonne collaboration entre l'université et la police, que l'équipe rectorale se fait le devoir de reconnaître. Quelques minutes auront suffi pour ce geste symbolique qui réconforte le commissaire-major de police Souleymane Assouman qui promet accompagner le rectorat avec la bénédiction de sa hiérarchie pour le maintien de la sécurité dans cette université qui abrite près de 100 000 étudiants. Toutes les fois, vous aurez à nous solliciter, sachez que nous n'allons ménager qu'un effort pour être présents au campus, pour permettre à ceux qui sont venus pour apprendre, d'apprendre en paix. Et ceux qui ne veulent pas apprendre, de les SIP pour les faire répondre de leurs actes.